Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu, un magnifique jeu que j'ai reçu il y a déjà plusieurs semaines et que je n'ai pas eu l'occasion de présenter avant parce que je l'ai ouvert ce matin. J'ai fait une unboxing et malheureusement, cet unboxing ne s'est pas enregistré correctement. Donc, j'ai dû la supprimer et je vous refais donc cette petite vidéo. Voilà. Alors c'est un jeu qui est composé de 45 cartes, qui est très 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 beau, vous allez le voir, qui est très original. Et en fait ce jeu, il nous parle de guidance spirituelle et personnelle un peu. Donc c'est un jeu qui est auto-publié et qui est créé par deux personnes, donc Sean Weston qui est l'auteur du livre qui accompagne le jeu. Et Julia Brenholt, qui est l'illustratrice et la créatrice des cartes. Donc ce jeu est arrivé avec une magnifique petite carte Alice au pays des merveilles. Voilà, qui est personnalisée puisqu'il y a un mot écrit à la main au dos. Et donc le jeu arrive dans une petite poche en organza comme celle-ci. Et c'est trop marrant parce qu'il y a des petits cristaux de roche dedans, ainsi que des pétales de roses séchées. Et en fait, sur la carte, il est dit que ces petites choses ont été rajoutées dans le sac pour que le jeu arrive à bon port. J'ai trouvé ça trop mignon et très touchant. On a aussi un petit autocollant en cadeau. Voilà. Et donc, ce jeu, que vous allez voir dans quelques petites minutes, arrive accompagné d'un livre, d'un vrai livre, comme vous le voyez, hein, qui est assez épais. Il y a plus de 118 pages, donc c'est un beau livre. Voilà. Et donc en fait, ce jeu, donc le Serendipity Oracle, c'est un système de divination pour la guidance personnelle et spirituelle, et la progression spirituelle, pardon. Ces 45 cartes, elles couvrent les éléments de la terre, de l'air, du feu, de l'eau et de l'esprit. Et elles peuvent aider à apporter clarté et inspiration dans des situations qu'on peut rencontrer et des challenges aussi qu'on peut rencontrer. Voilà, donc tous les deux espèrent que j'aime ce jeu autant qu'eux. Et je pense que ça va être le cas. J'aime beaucoup ce style de jeu, ça me fait penser entre autres un peu au jeu de Cathy Nichols. Dernièrement aussi, j'en ai reçu un autre qui ressemble un peu. Ils ont tous un petit peu cette énergie d'inspiration, d'affirmation, de motivation. Et celui-ci, il est en particulier très poétique. Il m'évoque les rêveries, il m'évoque la poésie, il m'évoque la féerie aussi sous certains angles. Donc voilà, vous allez le découvrir avec moi. Donc, on va regarder un peu le livret. Alors, on a une introduction. Comment tirer les cartes? On vous explique, ils vous donnent leur point de vue. L'auteur vous donne son point de vue sur comment faire pour faire des tirages. Donc, les cartes, on en a des générales donc, qui se rapportent un petit peu au cinquième élément, hein, qui est l'esprit, ou l'éther, si vous préférez. On a ensuite l'élément terre, l'élément air, feu et eau. Un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice, et des liens et des lectures qui nous sont conseillés. Donc, l'introduction, j'aime beaucoup la police d'écriture, elle est très chouette. Alors, c'est un jeu évidemment qui est en anglais, vous l'aurez compris. C'est un jeu auto-publié, donc il ne sera pas traduit. Donc voilà, je préfère le dire en début de vidéo. Je sais que ça gêne certaines personnes. Maintenant, vous pouvez tout à fait travailler à l'intuition aussi, par exemple. Voilà, mais moi, je partage les jeux, pas pour les faire, pas pour vous les faire acheter, pas pour vous faire dépenser de l'argent. Je les présente parce que je les aime et que j'aime faire ce partage. Voilà, vous savez que je les collectionne depuis 30 ans. J'en ai beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît. Je ne me sers pas de tous mes jeux, mais je les aime pour leur art, pour leur énergie. Donc voilà, ça s'explique pas vraiment en fait, hein. Alors, donc comment tirer les cartes, faire un tirage. Il y a des exemples. Voilà, on vous dit comment utiliser le guide, etc. Les cartes donc générales qui se rapportent un peu comme je vous ai dit à l'éther. Donc vous avez le numéro chaque fois. On a le nom, on a la carte qui est illustrée en noir et blanc chaque fois. Et puis on a cette fameuse guidance de la carte et des petits mots-clés. Si on est pressé, on peut par exemple lire seulement les mots-clés.
Voilà, et donc ça va être pareil chaque fois. Ensuite, on a les cartes pour chaque élément. Voilà, donc c'est pareil pour tout le livre. Et à la fin du livre, on a un mot sur l'auteur. Donc, alors, Sean Weston, c'est un médium. Voilà, c'est lui qui a donc écrit ce livre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, il y a son livre favori. Son film favori, sa musique favorite, sa boisson favorite, son endroit favori, sa citation favorite, enfin bon, et son plat favori. Je trouve ça assez sympa. L'illustratrice, c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment un truc bon enfant, sympathique. Et donc, Julia Brenholt, elle. Elle est un petit peu excentrique, c'est quelqu'un qui est dans le monde un petit peu sorcier, etc. D'ailleurs, vous allez le retrouver sur certaines images. Voilà, donc il y a un petit côté, des fois Harry Potter dans le jeu, que j'aime beaucoup aussi. Et donc ensuite, on a des liens, donc on vous recommande quelques lectures, des auteurs qu'ils aiment. Des liens pour trouver des choses brillantes, donc je trouve ça super sympa. Voilà, donc Julia est sur Instagram et Sean également. Donc si vous souhaitez eh bien vous abonner à leur page, vous pouvez. Et voilà, on a une illustration qui est celle du dos à la fin du livre. Voilà, donc un livre très complet et qui est très intéressant. Alors, on va regarder à présent les cartes. Donc, les premières cartes qui ne sont pas classées dans un thème, qui sont générales, qui vont être pour moi classées dans le thème de l'éther. Donc, il y a l'arbre de vie, la famille, la déesse, l'homme vert, la maison. Alors, celle-ci me parle beaucoup, évidemment. L'amour, la tempête. Là, on voit une sorcière avec un chat. Vous voyez, il y a un petit côté sorcier par moment avec l'arc-en-ciel. Donc, c'est que tout n'est pas mauvais, hein. Il y a un petit arc-en-ciel quand même. L'arc-en-ciel, justement, avec tous les chakras. Donc, on a les symboles de chaque chakra et les couleurs qui correspondent. La magie, j'aime beaucoup celle-ci. Elle fait partie de mes préférées. Alors ensuite, on va passer à l'élémentaire. Donc, on a le jardin, la forêt, donc c'est très, très terrestre, hein. Les cristaux avec de vieilles illustrations vraiment anciennes, le labyrinthe, Robin des Bois, le lièvre, l'abondance, les herbes et la fertilité. Ensuite, on va avoir l'élément air avec les nuages. Donc vous voyez, il y a de vieilles images qui sont sympas. Alors ça change, hein, elles sont toutes différentes. Là, par exemple, on a Dorothy et le lion dans Le Magicien d'Oz. La protection. Donc ça, je pense que c'est une illustration de Cendrillon. Ma reine l'a fait avec Cendrillon près de la cheminée. On a l'esprit. J'aime beaucoup les petites bulles comme ça. Je trouve ça très sympa. La musique, les rêves avec Blanche-Neige et les nains, les cendres, je crois, les oiseaux, l'illumination, celle-ci fait partie de mes préférées, je crois que c'est ma préférée d'ailleurs. Elle est vraiment très belle celle-ci. Alors ensuite, on a la passion. Donc là, on va retrouver des illustrations de Waterhouse. Alors, elles ne sont pas toutes de lui, mais il y en a certaines, oui. Comme celle-ci par exemple, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Trésor, chaudron, dragon, transformation. Donc elles sont toutes très connues, hein, ces peintures. Motivation, les étoiles. D'ailleurs, je les ai dans plusieurs decks, au moins trois. Pouvoir. Et puis enfin, on va passer à l'élément air. Donc on a la bénédiction. Très mignon. Là, ça fait un petit peu années 60. Une publicité des années 60. La purification. Frozen, ça me fait penser à la Reine des Neiges, les deux sœurs. La potion. Celle-ci est très belle aussi. Les larmes. La sirène, très très jolie celle-ci. Tsunami, bon ça c'est une illustration japonaise qui est très très connue aussi.
la réflexion et lâcher prise. Voilà, remise à zéro, les compteurs à zéro. Donc, très très chouette jeu. Il est vraiment vraiment très sympa. Donc, le carton, c'est un bon carton. Hein, c'est du, je pense, du 330 grammes. Donc, voilà, il est mat, plutôt mat, avec quand même un petit vernis qui est sympa. Le format, c'est un format tarot classique. Et donc, on va le mélanger et on va se faire un tirage. Tiens, pour terminer cette petite vidéo, qui j'espère vous a plu. Voilà, j'avais envie de vous le faire découvrir. Et puis de faire une petite déco de Noël. On se met déjà dans l'ambiance des fêtes. Là, c'est bientôt, hein. Il n'y a plus que quelques jours à attendre pour découvrir ce qu'il y a sous le sapin. Voilà, donc. Allez, on mélange un petit peu comme ça pour que ça soit bien mélangé. Hop là, si je l'ai fait tomber. Alors, il se mélange très bien. Hein. Franchement, il se mélange super bien. Une bonne prise en main, nickel, de ce côté-là. Oups là, je fais bouger le trépied. Je suis désolée parce qu'il est tellement près de moi en fait. Ah bah tiens, elle est tombée toute seule. On a la carte de la déesse. Voilà. On va récupérer celle-ci hein, puisque elle est tombée toute seule. Hop, on va la mettre là. On fait un petit zoom. Alors, il s'agit de la carte numéro 3. Et on va regarder un petit peu ce que c'est. Donc, au niveau des mots-clés, on a associé à cette illustration la nature, la paix, la tranquillité, le yin, la féminité, la sérénité, lune magique et amie femme. Donc, si on a tiré cette carte, eh bien, ça symbolise une énergie féminine assez forte qui nous entoure. Donc, cette femme, elle peut être proche de nous, hein, ça peut être une grand-mère, une mère, une sœur, une tante, des filles, etc. Donc, ben moi, en l'occurrence, ça doit être ma fille, je pense, parce qu'on est collés en permanence ensemble, sauf quand elle est à l'école, bien sûr. Donc, voilà, on est très proches, et c'est vrai qu'elle est près de moi. J'ai aussi des amies femmes qui sont proches de moi, mes sœurs, donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes quand même autour de moi. Et donc, elle va nous parler de sensibilité, de diplomatie, de créativité, de passion et d'émotion, cette carte. Voilà, on vous dit de vraiment prendre à bras le corps tout ce qui est sacré dans la nature, de le chérir, de le prendre près de votre cœur. Hein, voilà, on vous dit. Par exemple, eh bien, mettez vos baskets et allez marcher. Alors moi, je le fais tous les matins quand j'accompagne ma fille à l'école. Je me fais une marche sur le retour, une marche méditative. Donc dans la nature, je communie avec les arbres, avec les oiseaux et avec éventuellement les autres petits animaux que je peux croiser parfois. Et donc c'est vrai que ça fait un bien fou. Je démarre ma journée à 9h comme ça, une fois que je suis rentrée de l'école. À 9h, je démarre ma journée de travail, que ce soit donc avec mes clients ou au niveau des illustrations de mon tarot. Et ça me fait des journées vraiment, je suis motivée, je suis déchargée de choses négatives si j'ai pas bien dormi ou si j'ai des angoisses ou quoi. C'est vrai que cette marche-là le matin, elle me fait beaucoup de bien. Donc ça m'étonne pas que cette carte soit sautée comme ça. Voilà, elle vous parle aussi par exemple d'aller nager si c'est l'été ou si vous avez la possibilité de nager dans une eau naturelle. On remercie la déesse pour ce qu'elle nous apporte, les arbres, les fruits, la terre. Donc ça, je le fais au quotidien évidemment puisque je travaille beaucoup avec Gaïa. Et il faut donner aussi en échange à la nature. Donc planter un arbre ou des graines, nourrir un animal. Donc ça aussi, je le fais tous les jours puisque j'ai des chats, n'est-ce pas? Et donc ça me fait penser que je vous ai pas montré le. C'est dommage, je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû le ranger. Mais il y avait aussi un petit sachet de graines de fleurs sauvages qui était offert avec ce jeu. Et donc du coup, planter les graines, ça m'a fait penser à ça. On va le faire avec ma fille quand ça sera le moment. Voilà, donc un petit sachet de fleurs sauvages, j'ai trouvé ça super sympa, quoi. Et voilà donc la signification de cette carte. Donc je trouve ça très juste, je trouve ça très bien dans le move pour moi. Donc j'espère que ça vous parle aussi, que ça vous donne aussi des petites idées, pourquoi pas, si vous n'avez pas marché dans la nature depuis longtemps, mais peut-être que ce week-end, si le temps le permet, qu'il ne pleut pas des cordes, eh bien peut-être que vous pourrez aller faire une petite marche quelque part. Voilà, donc on va se quitter avec cette belle image de la déesse.
J'étais ravie de vous présenter ce jeu, il est vraiment magnifique. Et je reviens sur le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, j'ai des fois. Le dos est vraiment splendide, il a des belles nuances de vert et de bleu. Et donc vous voyez que chaque fois il y a les planètes, les signes du zodiaque, et puis selon la partie de la main, on vous dit que par exemple ça c'est l'ordre matériel, l'ordre mental, la passion, etc. Donc voilà, il est très fun le dos, j'aime beaucoup. Je voulais vous le montrer, vous le remontrer peut-être, je ne sais plus. Et vous voyez les teintes comme elles sont belles. Voilà, donc quand vous. Je vais enlever celle-ci. Quand vous faites l'étalage comme ça des cartes, ça fait vraiment des jolies nuances. Voilà, donc j'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette petite vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Regardez, on va agiter un peu l'ours. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année, belles fêtes de Noël. Profitez bien d'être avec les vôtres. J'espère que vous serez gâtés, que cette fin d'année se passe dans les meilleures conditions pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt. Merci de votre fidélité cette année. Merci de vos encouragements. Très important pour moi, comme toujours. Je vous aime très fort. Et je pense qu'en début d'année, je vais organiser un petit concours pour faire gagner ce que j'appelle une witch box. Donc, je mettrai plein de petites choses dedans et je ferai ça après les fêtes. Comme ça prolongera un peu la magie des fêtes. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.